safety. Forward. Recall. C'est vous que je viens de voir à la télévision. Vous êtes cosmonaute? Oui, oui. Bonjour, mon nom est Vladimir Fletcher, oui, oui. Et moi, je m'appelle Ibrahim. Enchanté de faire votre connaissance. Oui, en fait, ce que vous avez sans doute vu, c'est les séquences des vols paraboliques. En fait, on fait ces expériences en apesanteur, en microgravité, à bord de cet avion laboratoire, et ça nous permet de recréer ainsi des conditions par tranche de 20 secondes, des conditions d'apesanteur, les mêmes conditions qu'on retrouve en orbite autour de la Terre. Comment vous faites pour aller là-bas, pour aller dedans, pour être comme un bébé dans le ventre de sa mère? Comment vous faites? Avec de la persévérance, de la patience, et on arrive finalement à tout. Oui, absolument. Il faut calculer des choses, tout ça, des mathématiques, c'est ça? Il y a effectivement beaucoup d'aspects mathématiques dans le travail. Mais ce qui est peut-être intéressant, qui peut-être vous intéressera, c'est qu'en fait, la mathématique ne vient pas d'ici, mais elle vient du Sud, elle vient de l'Afrique. De chez moi. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec un de mes amis, le professeur Eulenbrook, qui était professeur à l'université du Burundi, à Bujumbura, qui m'a raconté en fait l'histoire d'un outil mathématique qu'on a retrouvé il y a quelques années de ça, mais qui est vieux d'à peu près 20 000 ans. Et cet outil est en fait un os qui, on le pense, est un des premiers outils mathématiques, puisqu'il y a des marques dessus, et ces groupes de marques peuvent servir ainsi aux gens de l'époque à calculer. Et justement, il va m'expliquer, il va nous montrer où on l'a trouvé, parce qu'on a retrouvé également une carte d'un explorateur, d'un des premiers explorateurs, Ptolémée. Il faut voir cette carte. D'accord, d'ailleurs je crois, le voilà qui arrive. Évidemment, il est un peu en retard, mais ça n'est pas grave. Bonjour, Dirk. Tu attends? Oui, un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Laisse-moi te présenter ce monsieur. Je n'ai pas... Ibrahima. Ibrahima, voilà. Enchanté. Monsieur. Dirk. Professeur Eulenbrook. Enchanté. Professeur en mathématiques. Mais on venait pour les cartes, hein? Oui, 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 voilà. Nous parlions justement de cette carte de Ptolémée et il nous brûle, puisqu'on en a discuté maintenant, il nous brûle. Nous sommes impatients de voir cette carte. Si vous me permettez, j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à voir cette carte. Allons-y. Voilà, ici vous avez des cartes. Et surtout, celle-ci qui nous intéresse. Ça, c'est une carte intéressante parce qu'il y a, par exemple, il y a des choses d'ailleurs qui ne sont pas correctes sur cette carte. Hein. Vous voyez la tribu des Monoculi. Mais bien sûr, d'autres choses qui sont correctes. Tu vois les montagnes là? Il y a des montagnes et des lacs qui mènent vers le Nil. Dans les contemporains de Ptolémée, et même par après, ils avaient entendu parler du fait que les sources du Nil étaient situées quelque part en Afrique centrale. Et c'est pour cela qu'ils avaient dessiné des grands lacs. Maintenant, nous savons que c'est peut-être le lac Victoria, peut-être le lac Edward. Donc ils avaient dessiné ces grands lacs et des montagnes. Maintenant nous savons que probablement ce sont donc, ou bien c'est peut-être le Rwenzori. Et c'est dans cette région exactement, là où il y a les montagnes, qu'on a trouvé l'os d'Ishango. Sur la frontière entre le Zaïre, le Congo et l'Ouganda. Et ça vient de chez moi, ça. Je vais encore vous demander, si vous permettez, j'aimerais vraiment voir cet os. Ah, c'est un peu... quelques kilomètres d'ici, hein. Allons-y. Donc c'était utilisé comme outil avec ceci comme manche. L'objet est complet, il n'est pas cassé ici ni cassé ici. Et il porte les inscriptions qui intéressent tant M. Eulenbrook. Où sont les multiplications par deux sur cet os?
Alors pour ça, je vous propose d'aller dans le laboratoire, on se met autour d'une table et on peut la garder calmement en lumière rasante parce que les inscriptions sont effectivement difficiles à voir en lumière atténuée ici. Voilà, ici vous avez des photos avec agrandissement et un certain nombre de relevés. Tu vois ce qui est intéressant. Tu vois 3 là. Et à côté, tu vois 6. Oui. Puis 4. Et puis 8. Oui. Et puis ici, il y a 10 entailles. Et puis à côté, 5. Est-ce qu'on a essayé de multiplier par 2? Est-ce qu'on a essayé d'apprendre? Est-ce que c'est un professeur, un sorcier, un professeur dans le temps qui, il y a 20 000 ans, essayé d'apprendre à calculer à un enfant? Ou est-ce que, quand on voit ici, on a 11 entailles, puis on en a 21, puis 19, et 9, c'est-à-dire 10 plus 1, 20 plus 1, 20 moins 1, 10 moins 1. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'on a essayé de montrer ce que c'est le nombre 10? Comment on obtient moins que 10, plus que 10? C'est un mystère.